Ne vous faites pas d'illusions. Si ce truc a tiré sur votre femme, c'est parce que cette fille, cette Suzy Thumb ou Smart, au choix, l'avait décidé. Elle a appris à cette chose à le faire. On peut les éduquer, vous savez. Si je n'avais pas écarté Marie, elle y serait passée à son tour. Pas forcément. Ces objets n'ont que de faibles capacités. Je pense qu'elle aurait tout au plus été sonnée. Mais le rayon a percé le mur. Qui est en plastique pour marcher, non renforcé. On peut l'enfoncer du poing. Alors ça vous laisse froid. Vous vous trompez. Tout ça me met hors de moi. Et d'abord, qu'est-ce que vous fichez avec Suzy dans sa chambre? Oui, je vois. Dommage que Suzy n'ait pas été la cible. Il y a quelque chose qui ne colle pas chez vous tous. Quoi donc? Je ne sais pas. Un genre de débilité mentale. Chacun de vous a l'air de vivre dans son petit monde personnel, sans s'occuper de personne d'autre. C'est comme si votre unique désir à chacun était de rester seul dans un coin sans qu'on le dérange. Nein, nous voulons tous partir d'ici. Nous n'avons peut-être rien d'autre en commun, mais nous partageons au moins ça. Gardez ça, en souvenir. Faut partir en exploration demain avec Suzy. Oui. Que savez-vous de l'écologie de cette planète? Il existe un organisme vivant que nous appelons le Tench. Nous en avons compté 5 ou 6. Très vieux. Que font-ils? Ils fabriquent des objets façonnés? Certains. Les plus faibles ne font rien. Ils sont simplement là, au milieu du paysage. Mais les plus robustes font de la reproduction. De la reproduction? Ils tirent des duplicatas des objets qu'on leur apporte. Des choses de petite taille, comme une montre, une tasse, rasoir électrique. Et ces duplicatas peuvent servir? Le stylo dont je me sers est une reproduction. Mais... vous voyez la dégradation. Il se décompose très rapidement. Celui-ci sera encore utilisable quelques jours. Après, je la remplacerai par une autre reproduction tirée du stylo originel. Pourquoi? Parce que nous sommes à court de stylo. Et ce que nous possédons n'ont presque plus d'encre. Est-ce que vous écrivez avec ces reproductions de stylo? L'encre ne s'efface pas au bout de quelques jours? Nein. Je peux me joindre à vous? Yeah. Le jouet de Suzy Smart a essayé de tuer la femme de Morley en tirant dessus. Il a raté son coup. Et Morley l'a neutralisé. Je l'avais prévenu que ces choses étaient dangereuses. C'est plutôt ceci qui est dangereuse, comme j'étais en train de l'expliquer à Morley. Il faudrait prier pour elle. Vous voyez, nous nous soucions les uns des autres. Maggie veut sauver l'âme immortelle de Suzy Smart. Prions surtout pour qu'elle ne capture pas une autre réplique qu'elle se mettrait également à dresser. Je devrais peut-être dire à tout le monde demain de ratisser le campement. En ramassant tous les édifices joués et tout ce qui peut être venu de l'extérieur. Et après, on ferait un feu de joie avec tout ça et on en serait débarrassé. Pourquoi? Il y a d'autres choses qui viennent de l'extérieur? Des mouches artificielles, pour ne citer qu'un exemple. Elles prennent des photos? Nein, ça ce sont les moustiques artificielles. Les mouches artificielles chantent en volant. Elles chantent? J'en ai une ici. Portez-la à votre oreille. Et il y en a une dedans. Et qu'est-ce qu'elle chante? Je connais cet air. Elle joue ce que vous avez envie d'entendre. Ça alors? Vous êtes sûr que c'est une mouche qui fait ça? Regardez à l'intérieur de la boîte. Mais faites attention. Ne la laissez pas échapper. Elles sont rares et difficiles à attraper.
étonnant. Est-ce qu'elle fonctionne comme un récepteur? Est-ce qu'elle capte un signal provenant d'un transmetteur central quelque part sur la planète? C'est une radio, c'est bien ça? J'en ai disséqué une. Ce n'est pas un récepteur. La musique est bien transmise par un haut-parleur en réduction, mais elle émane du corps de la mouche. Qu'est-ce qu'elle chante pour vous? Penny Lane. Vous me la vendez? Attrapez-vous-en une! À part les moustiques, les mouches, les reproducteurs et les édifices miniatures, il y a encore d'autres choses qui viennent de l'extérieur? Il existe un reproducteur, pas plus gros qu'une punaise, qui n'arrête pas de tirer des duplicata de la même chose. Il les sort sans cesse, c'est comme un flot sans fin. Des duplicata de quoi? Du livre de Spektovski. Et c'est tout? C'est tout à notre connaissance, mais il peut en exister d'autres que nous ignorons. Si le Tunch ne reproduit que des objets simples, ceci n'est pas son œuvre. Il a fallu des techniques compliquées pour obtenir. Peut-être que ça a été fabriqué par une race disparue depuis des siècles. Avec des duplicatas tirés à la chaîne depuis? Ou tirés depuis notre arrivée ici, à notre intention. Est-ce qu'il y a un microscope ici? Papel en a un. Alors je vais le voir. Bonsoir. Oh, donne ces machins. Il en traîne partout. Oui, vous pouvez emprunter mon microscope électronique. Je vais m'apprêter à me coucher. Ça ne doit pas être très puissant. En un sens, Belsnor avait raison. Calculé en Hertz, l'énergie émise devait être minime. Général Triton, alors c'est vous qui nous détruisez. Notre transmetteur, notre récepteur et l'obligation pour nous de gagner cette planète par fuseur. Est-ce vous qui avez causé la mort de Bentol Chief? Sans aucun doute. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai découvert que le général Triton est notre ennemi et que nous n'avons pas la moindre chance. Regardez. Qu'allons-nous faire? La première chose, c'est de rassembler tout ce qui vient de l'extérieur et de le détruire. Alors, ça veut dire que l'édifice aussi a été fait sur Terre? Oui, nous faisons partie d'une expérience. Il faut absolument quitter cette planète. Jamais nous n'en partirons. Tout ça doit provenir de l'édifice. Il faut trouver un moyen de le détruire. Mais je ne vois pas comment. Désirez-vous réviser votre rapport sur l'autopsie de Tolchif? Je n'ai aucune autre donnée. Au point où nous en sommes, je dirais simplement qu'il a dû être tué par une arme dont nous ne connaissons rien. Quelque chose qui a emmené un taux fatal d'histamine dans le sang, tout en faisant croire à un accident naturel de l'appareil respiratoire. Mais il y a une autre éventualité, que tout ça soit une supercherie. Après tout, la Terre est devenue un gigantesque asile d'aliénés. Il y a là-bas des laboratoires de recherche militaire, ultra secrets. Le public n'est pas au courant. Comment le savez-vous? Au Tessel Fares, en tant qu'océanographe du kibbutz, j'avais des contacts avec eux. Également quand nous achetions des armes. Dites-moi, avez-vous vraiment vu le Morcheur sur la Terre? Certainement. Et je suis directement renseigné sur les laboratoires secrets de recherche militaire de la Terre. Par exemple... Vous avez vu quelqu'un? Ça, je le crois. Quelqu'un qui vous était inconnu vous a approché en vous signalant un fait qui n'aurait pas dû vous échapper. Le mauvais état du fuseur que vous aviez choisi. Mais considérez une chose, vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir.
Vous avez supposé que c'était le marcheur sur la Terre, parce que le livre de Spektrovski est à peu près universellement admis. Mais moi, je ne l'accepte pas. Vraiment ? Absolument pas. Il y a partout des étrangers, de vrais étrangers, des hommes ordinaires, qui vous abordent pour vous donner de bons conseils. La plupart des humains sont bien intentionnés. Si j'avais été sur les lieux, je serais intervenu moi aussi. Je vous aurais fait remarquer que votre fuseur n'était pas sûr. Vous nous avez dit au début de la soirée que vous aviez rencontré 7 fois le marcheur sur la Terre, ainsi que l'intercesseur. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis trouvé placé dans des situations où des humains agissaient comme l'aurait fait le marcheur sur la Terre, à supposer qu'il existe. Votre problème est le même que celui de beaucoup de gens. Il résulte de notre rencontre avec des races intelligentes non humanoïdes, dont certains membres, ceux que nous appelons les dieux, sur ce que nous appelons les mondes divins, où nous sommes à ce point supérieurs qu'ils nous placent par rapport à eux dans la même situation que, par exemple, les chiens ou les chats par rapport à nous. Pour un chien ou un chat, un homme est l'équivalent de Dieu. Il est en mesure d'accomplir des actes divins. Ces êtres n'ont pas créé l'univers. Ils ne sont pas des manifestations du psychofaçonneur. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils affirment être des manifestations de la divinité. Mais pourquoi les croirions-nous ? Naturellement, si nous leur demandons « Êtes-vous Dieu ? Avez-vous créé l'univers ?» Ils répondent par l'affirmative. Nous agirions de même. Les hommes blancs, au XVIe et au XVIIe siècle, racontaient aux indigènes de l'Amérique du Nord et du Sud exactement la même chose. Mais les Espagnols, les Anglais et les Français étaient des colons. Ils avaient un mobile pour faire croire qu'ils étaient des dieux. Vous voyez Cortés, les formes de vie sur les prétendus mondes divins ont un mobile identique. Lesquels ? Ces êtres sont pareils à des saints. Ils s'adonnent à la contemplation, ils écoutent nos prières s'ils parviennent à les capter, et ils agissent de manière à les exaucer, comme ils l'ont fait pour Ben Tolchif. Qu'ils ont envoyé ici pour y mourir, exact. Peut-être ne le savait-il pas. Après tout, comme l'a souligné Spektrovski, la divinité ne sait pas tout. Par exemple, elle ignorait que le destructeur de forme existait, et qu'il serait éveillé par les anneaux concentriques qui forment l'univers. On croirait entendre Maggie Walsh, vous parlez comme elle. Jamais je n'avais rencontré d'athée. C'est un phénomène étrange à notre époque, où nous avons la preuve de l'existence de la divinité. Je conçois que l'athéisme était en vogue au temps ancien, quand la base de la foi reposait sur des choses invisibles. Mais maintenant, ce n'est plus invisible, ainsi que l'a indiqué Spektrovski. Le marcheur sur la Terre est une sorte d'anti-créature de Porlock. Au lieu d'intervenir dans les événements pour le bien, il... C'est un monde de la colonie que je n'ai jamais vu. Qui êtes-vous ? Je viens d'arriver à bord de mon fuseur. Je m'appelle Ned Russell. Je suis économiste. Je pensais que tout le monde était ici. Nous sommes 13, c'était le nombre prévu. J'ai sollicité un transfert et c'était Delmaco ma destination. Voyons voir votre ordre de transfert. Étrange cet endroit. Presque pas de lumière. Le pilote automatique inopérant. J'ai dû atterrir par moi-même sans être très habitué au fuseur. J'ai garé mon appareil avec les autres sur le terrain en bordure de votre installation. Nous avons donc 2 points à aborder avec Belsnor. L'inscription fabriquée sur Terre, qui figure sur l'édifice miniature, et lui. Suzy. Est-ce que je peux entrer ? Je ne veux pas être de trop. Bienvenue. Merci. Tony ? Oui. Dis-moi, Tony, qu'est-ce que tu vois ? Un autre monde ? Est-ce que tu vois le destructeur de forme à l'œuvre ? De quoi a-t-il l'air ? Ne me parle pas. Arrête-toi un peu. Tu devrais être au lit. Tu ne veux pas aller au lit, Tony ? Avec moi, par exemple. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Tu disais que je t'aimais parce que tu n'étais pas encore vraiment un homme. Mais tu es un homme. Tu crois que je ne le sais pas ?
Je suis bien placée pour le savoir. En tout cas, jusqu'à maintenant, tu as été un homme. Et encore plus que ça. Est-ce que tu sais qu'un garçon de 18 ans peut avoir 7 orgasmes en 24 heures? C'est une chose qui a sa valeur. Il existe une divinité, au-dessus de la divinité. Une qui les renferme toutes les quatre. Les quatre quoi? Les quatre manifestations. Le psychofaçonneur, le... Oui d'accord, mais la quatrième. Le destructeur de forme. Tu veux dire que tu peux entrer en contact avec un dieu qui combine le destructeur de forme avec les trois autres? Mais c'est impossible, Tony. Ce sont les dieux du bien, et le destructeur de forme représente le mal. Je le sais. C'est pour ça que ma vision est si pénétrante. Il y a un dieu qui surpasse Dieu, et personne d'autre que moi ne peut le voir. Comment peux-tu être sûr de la réalité d'une chose que tu es seul à voir? Spektovski n'a jamais parlé d'une super divinité de ce genre. Je crois que tout est dans ta tête. Allons au lit, Tony. Viens. Bon Dieu! Et puis merde, je m'en vais. Bonsoir. Il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas? Si tu veux, on peut faire des variations. J'ai lu dans un bouquin des positions que je ne connaissais pas. Laisse-moi te les apprendre, elles ont l'air pas mal. Le destructeur de forme est le contraire absolu de Dieu. Je le sais. Mais le contraire absolu de Dieu est une catégorie d'être. Si c'est toi qui le dis, Tony. Et Dieu englobe toutes les catégories d'être. Donc Dieu peut aussi être son contraire absolu. Ce qui transcende la raison humaine et la logique. Mais en fait, il y a un Dieu plus grand. Qu'en penses-tu? Je trouve ça formidable! Ça doit être bien d'avoir des transes et de capter ce que tu captes. Tu devrais écrire un livre. J'ai si froid et je suis si fatiguée. Et j'ai déjà eu une dispute affreuse avec cette ordure de Marie Morlaix ce soir. Alors je t'en prie, viens, on va au lit. Je suis un prophète, comme le Christ, Moïse ou Spektovski. On ne m'oubliera jamais. Si tu es un prophète, fais un miracle. Pourquoi te faut-il un signe? Je ne veux pas de signe, je veux un miracle. Un miracle est un signe. Bon, je vais te faire voir. Bon, change ce morceau de pain en pierre. Tu en es capable? L'opposé du miracle du Christ. Est-ce que tu en es capable? Grand Dieu! Je peux le ramasser? Il n'y a pas de danger? La puissance de Dieu était en moi. Ce n'est pas moi qui ai agi. Elle a agi à travers moi. Je peux le garder? Oui, tu peux le garder, Suzanne. Mais lève-toi et retourne chez toi. Je suis fatigué. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais tu sais, je peux te déshabiller et te mettre au lit. Ça me ferait plaisir. Non. Bonne nuit, Tony. Et merci pour le miracle. Est-ce que je pourrais le raconter aux autres? C'est ton premier miracle. Il faudrait peut-être qu'ils sachent. Mais si tu refuses, je ne leur dirai rien. Laisse-moi dormir. Tony! Bon, d'accord. Ça alors? Alors c'était une illusion. Il m'a mise en état d'hypnose et m'a fait croire que c'était vrai. J'aurais dû me douter que c'était un truc.